Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel petit épisode de Senran Kagura Burst Renewal. Ce nouvel épisode. Ouais, c'est celui-là. C'est cette conjugaison-là. Alors, la dernière fois, Ibari avait été capturée par l'école des Bijou. Elle avait essayé de récupérer, enfin de combattre avec le rouleau des ninjas de l'art secret, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Elle a pas su comprendre ce que ça signifiait et s'est faite choper avec le rouleau par des ennemis. Du coup, voilà, Ibari est parti avec le parchemin de Super Ninja, sans doute pour aller venger Yagyu. Mais qu'est-ce que Bijou a en tête? C'est parti! Et c'est parti pour un long scénario. Alors ça doit être Omura qui parle. さすがだな。はるか、その女、人形にするのか。そうしようと思ったんだけど、この子、急に蛇女に転校したいって言い出してさ。お前は本当に転校したいのか。 転校します。もう半蔵学院には戻れませんから。そうか。では今からお前は私たちの仲間だ。どうした？どうしたって、ヒバリを疑わないの？疑うって何よ？ 今まで敵だったものを簡単に受け入れすぎる。そう思うのか? C'est parce que Ebijou accepte tout le monde. やはり善というのは窮屈で差別的だ。正しいものしか受け入れることができない。しかし悪は善よりも寛容だ。どんな人間でも受け入れることができる。 それが善人と悪人の違いだ。もし、ヒバリが裏切ったらどうするの？超秘伝忍法書を取り返すつもりか。やれるものならやってみるがいい。それでも、私たちは来るものを拒まない。 この顔、どこかで… Mm-hmm.
Ah, oui, je me souviens de cette histoire. C'est justement Oumoura qui a tué le frère, et elle veut se venger. Sauf que elle a pas vraiment tué le frère. Enfin, je crois, c'est une histoire à la con. Voilà. Ah si si non oui. Oui. Il allait abuser d'elle. Il me semble me souvenir. En fait, c'est il paraissait gentil, mais en fait, il allait abuser d'elle. Et du coup, elle l'a tué.私の家は特別な家で、私は家業を継がなければならない。君の成績ならかなり上の高校を狙える。それなのにどうして？ 君が高校に行きたいのなら、僕が両親を説得してもいい。このことは誰にも言わないでください。私の家は忍びの一族なんです。 En fait, c'était un criminel, un truc du genre. どうして？決まっているだろう。僕が悪人だからだ。私の命を狙うのなら、どうして優しくしたの？ Et parce que c'est un vicelard. Ouais, c'est pas la vraie histoire. Parce que la vraie histoire, c'est que c'était un vicelard et qu'il voulait faire durer le plaisir et faire tomber la fille de haut. Ah non, ouais, il va le dire. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est un vice là. Non, c'est bon, c'est la bonne histoire. しかし傑作だよ。もしかして君、僕のことが好きだったとか。バカにするな。Elle l'a démonté.
ようやく見つけた。あなたね、小道を半殺しにしたのは。だったら何？蛇女子学園。私をこの学校に入れてくれるのか？なぜそんなことを聞く？Ça, il me semble que c'est le directeur de l'école. Puis comment il s'appelle? Mais à la fin, j'espère qu'on va le combattre. あんたたちの仲間、小道って男を半殺しにしたからだ。過去など関係ない。蛇女はどんな人間でも受け入れる。知っているかね？悪は善よりも寛容なんだ。学校であったら殺し合いになるかもな。Ah là 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 là. Quel sadique ce moi. Né, Katsune, Hibari-chan no koto minakatta? Ya, mite nai ze. So. Ya, nanka shinpai de. Yanyu-chan no koto de sekinin o kanjite ta mitai da kara. Hibari no koto nara shinpai muyou da. Omura-chan?お前、何しに来た？それに心配無用ってどういう意味だ？ヒバリは蛇女の生徒になった。そういうことだ。何を言ってるの？ヒバリは蛇女に転校した。だから、お前たちのところにはもう帰ってこない。ヒバリちゃんが半蔵学院を辞めるわけがない！変な嘘をつかないで！私は嘘などついていない。そんなの絶対に信じない。嘘だって言ったら嘘だ。まあいい、あくまで私が嘘をついているというのなら力ずくで本当のことを言わせればいい。簡単だろ。みんな下がってて。ホムラちゃんの相手は私がやる。C'est parti, c'est parti. Alors, ce que je vais dire va peut-être paraître méchant, mais même rien que le fait de lire comme ça, l'histoire est plus palpitante que l'histoire de Jump Force.
Oh, je sais, je suis méchant avec toute force, mais en même temps... Enfin, je sais pas si au moment peut-être où sortira cette vidéo, vous en serez à l'épisode... Peut-être 7, 6 ou 7. Donc autant vous dire que là j'ai tourné les épisodes après. Hein. J'ai tourné 4 épisodes de plus. Et ça m'a déjà un peu forgé mon avis. Mais franchement, si l'histoire dure pas très longtemps, parce que j'ai l'impression qu'on arrive, enfin, on arrive pas à la fin, mais voilà, j'ai l'impression que l'histoire va pas vraiment durer longtemps. Donc si l'histoire ne dure pas longtemps, en plus dans un jeu où il y a très peu de différence et de répétitivité, enfin il y a beaucoup de répétitivité quoi, ce jeu va être encore plus mauvais que G-Star Victory Versus. Franchement, pour moi, le seul point sur lequel il bat G-Star Victory Versus, c'est le fait qu'on puisse créer notre personnage. Même les graphismes, bon, ils ont beau être beaux et lisses, ça n'en reste pas moins de le genre de graphisme à ne pas vraiment être bon pour un jeu comme celui-là. Ou alors s'il y avait plus d'expression sur, sur le visage et plus de... Et les personnages qui bougent beaucoup plus expressifs, quoi, le corps du personnage, ça serait mieux. Parce que là, les personnages, on a l'impression de voir des figurines, quoi. J'ai l'impression que ce jeu est vraiment fait pour ça, pour vendre des figurines. Tout simplement. Vendre des figurines, vendre des personnages. Vendre des figurines virtuelles, en fait, tout simplement. C'est vrai que ça, je pourrais le dire, je l'ai pas dit pendant que je tournerais. Parce que bon, là, je me suis arrêté à quoi l'épisode l'épisode 8, je crois. Ouais, donc vous êtes net à l'épisode 7. Moi, j'ai déjà tourné l'épisode 8 en plus. Et peut-être que je vais tourner l'épisode 12, enfin jusqu'à l'épisode 12, juste après Senran Kagura. Donc je vais voir, mais bon. Ah, même ce genre de combat est plus palpitant. Enfin non, les combats ça va encore. C'est pas non plus chiant. J'avoue qu'il y a beaucoup plus chiant en combat. Le point positif de Clone Force, c'est les combats et le fait qu'on puisse créer notre personnage. Ça fait très peu hein, pour un jeu qui était censé être un G-Star's Lake. Franchement, il a du potentiel, mais il l'exploite pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je pense que je le répéterai sur l'épisode 9. Pour ceux qui regardent pas Senran Kagura, mais qui regardent que Stry et que Jump Force. Même ces personnages-là sont plus expressifs que les personnages de Jump Force. C'est chaud. Quoi?
晴らしい。これが超秘伝忍法書の力か。体中の力がみなぎってくる。今ならどんな忍術でも使えそうだ。どうしたアスカ、体が震えているぞ。もういい、しらけたよ。アリを踏みつぶしたところで大して面白くもない。超秘伝忍法書を奪った以上、お前たちに興味はなくなった。さらばだ。ホムラちゃん待って、ヒバリちゃんは、ヒバリちゃんはどこにいるの？どうしてこんなことに。Ah si. J'ai pas entraîné mes personnages en même temps, donc bon. J'aurais dû les entraîner niveau 20 ou un truc du genre. Pour cette session. Mais j'y ai pas pensé. J'étais trop focalisé sur Jump Force en fait. Vas-y Art, enfin je peux attirer ton attention. ヘビ女学園に転校したから。また私を無視する気？でもヒバリの話は本当のことよ。あんたを怪我させたことによっぽど責任を感じてたんでしょうね。超秘伝忍法書を持って私たちの学校に乗り込んできたの。うん、あんたの敵討ちのつもりだったんだろうけど、あの子じゃ超秘伝忍法書は使いこなせなくて。それでどうしたんだ？私の言うことなんて無視するんじゃなかったの？答えろ。それでヒバリはどうした？だから言ったでしょ、蛇女に転校したって。ふざけるな。どうして敵討ちから転校になるんだ？聞きたい？ああ、聞かせてもらう。力ずくでな。未来を助けた。嬉しい、ようやく私の方を向いてくれたね。Sauf qu'elle va tellement le regretter. Parce que Yagyu est la plus puissante. On dirait pas, mais Katsuragi et Ikaruga la battent seulement en sagesse. Parce que Yagyu est une seconde année. Et Katsuragi et Ikaruga, des troisième années. Yagyu, déjà elle scelle ses pouvoirs à cause de avec son patch. Parce que ce serait trop puissant pour elle. Et en plus elle est déjà très puissante. Putain, mais... Mais arrête! J'ai pas regardé s'il y avait des parchemins secrets au dernier combat. Et là, ça ressemble. Shinobi, Tenshi!
Je suis concentré, je parle pas. Ah, un autre parchemin. Il y en a que deux en fait. Non, il y en a trois. Hop, allez chercher l'autre. Un onigiri. Il doit être là. Voilà, il est là. Et hop. Petite transformation rapide. Et hop là. Bon, même si dans un petit coin comme ça la caméra elle a un peu merdé, mais bon. Ça allait. さあ、ヒバリについて知っていることを全部話せ。またヒバリ？戦いが終わったら、もう私のことは無視。私を無視する奴は絶対に許さないって言っただろ。無視しているわけじゃない。俺はヒバリのことが知りたいだけだ。うるさい、うるさい、うるさい。あんたに無視される人間の気持ちが分かった。お前の気持ちなど知らん。俺の質問に答えろ。そうなの。分かった。分かったわよ。あんたも裏切られる人間の気持ちを味わえばいいのよ。そうすれば私のことも少しは理解できるはず。何を言っている。超秘伝忍法書を私たちに奪われて、ヒバリはもう半蔵学院には戻れないと思ったの。でも忍びになることは諦めきれない。それがあの子の夢だから。だったら残された道は蛇女に転向するだけ。ヒバリは自分の夢のためにあんたたちを捨てたってわけ。そんなバカなことが。あら、ショックなの？でもそれが事実。あんたはヒバリにご出身だったけど、あの子の方はそうでもなかったってこと。残念ね。デタラメを言うな。信じられないんだったら蛇女に来ればいい。うちの生徒になったヒバリを見ることができるから。あら、でもあんたには蛇女の場所がわからないか。それじゃ無理ね。ヒバリ、あんなやつの言葉俺は信じないぞ。Les pauvres filles. Bon, je m'en suis trop mal sorti. Un B. J'imagine que pour avoir le A, faut faire un perfect ou l'abattre plus vite, mais bon. Et bien sur ce, les amis. Moi, je vous dis à tous ciao à plus, et je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour la suite de l'histoire. On verra comment font les filles pour rejoindre l'Académie des Bijoux qui est censée être cachée.
Allez, salut à tous!